Salut tout le monde, c'est Nether. Donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo de chill, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas upload. Et justement on va parler de ça. Ça fait aujourd'hui à peu près 3 semaines que j'ai pas upload, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Désolé aussi si la caméra elle est un peu pixelisée et tout. Bon, je filme avec ma webcam, j'ai cassé mon téléphone, je peux pas essayer de faire mieux. Donc déjà là, je suis de retour chez ma mère, du coup normalement la qualité audio sera un peu mieux. Donc je vais vous parler de quelques petites choses, donc voilà pourquoi ça fait 3 semaines que j'ai pas upload. Quelle est la suite de ma chaîne, en tout cas je compte pas la lâcher. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent au fait que je fasse des vidéos ou pas, mais s'il y en a qui pensent que je vais arrêter, j'arrêterai pas. Juste, en ce moment j'ai une petite baisse de motivation. Bon, c'est pas grave, hein, je suis pas en dépression ou quoi. Juste, ça sert à rien d'upload si je suis pas motivé. J'ai sorti 2 highlights, c'était une solution de facilité quoi. J'arrive encore à... Enfin, je suis encore motivé à monter des vidéos, mais à les faire plus trop. Donc voilà, les highlights c'était quand même facile à faire. J'ai juste pris des clips que j'avais déjà, c'était pour maintenir l'activité sur ma chaîne. Sauf que j'aime pas faire ça, c'est le genre de vidéo que j'ai pas envie de supprimer. Parce que j'ai envie de supprimer aucune vidéo de ma chaîne tout simplement. Mais si je devais les remettre, je les remettrais pas. Je pense que je ferais plus d'highlights. Je sais pas si elles vous ont plu d'ailleurs, ça me ferait plaisir de me dire si ça vous a plu quand même, genre pas si c'était des vidéos poubelles, parce que c'était des vidéos poubelles, clairement c'était des vidéos qui c'était juste pour maintenir l'activité, et je voulais savoir si clairement c'était une vidéo de merde à vos yeux ou si c'était une vidéo qui passait, parce que j'ai des potes qui m'ont dit que c'était quand même plutôt de la merde, on va dire clairement, parce que j'ai des potes qui me disent clairement leur avis sur ma vidéo. Donc voilà, il y a quelque chose aussi qui je suis en train de tourner, mais ça prend énormément de temps, ça fait des mois que je l'ai écrit cette vidéo. C'est à peu près à la sortie de ma vidéo comment percer comme Gotaga. Donc cette vidéo là elle est sortie il y a à peu près 5-6 mois, et ça fait depuis 5-6 mois que j'ai commencé à l'écrire et que j'ai fini à l'écrire il y a quelques mois, vu que j'ai pas mis totalement je me suis pas concentré dessus tout simplement parce que j'avais une baisse de motif tout simplement, comme je vous l'ai dit. J'ai quand même pas mal avancé, j'ai fini la partie où je montre comment percer comme la personne. Bah c'est pour rigoler clairement, tout le monde s'en fout de comment percer comme Gotaga par exemple. Mais il reste plus qu'à tourner la partie où je limite. Et c'est quand même pas mal long, j'ai quand même pas mal de plans à faire. Les plans des apparitions dans le dos comme ça par exemple, parce que t'as pas de pote, ouais. Et ben je vais devoir les refaire. Enfin c'est quand même long à faire, et j'ai besoin d'un pote, parce que j'ai pas envie que ce soit encore moi qui apparaisse derrière, que j'aime pas que ce soit la même personne. Du coup c'est Marius qui va venir derrière moi, et du coup il me faut des plans avec lui. Donc déjà cette vidéo prend énormément de temps à faire. Vraiment les gars, vous pouvez pas savoir le temps. En fait j'essaie pas de faire des vidéos bâclées. Je sais que pour avancer sur YouTube faut faire du contenu, faire 3 vidéos par semaine, 4 vidéos par semaine. Sauf que le problème c'est que comme j'ai envie de faire des vidéos taffées et réussir à avoir du temps pour moi, clairement, parce que je prends la plus grande partie c'est du temps pour moi, j'ai envie de rien faire tout simplement. Moi je suis quelqu'un qui, quand j'ai rien à faire, je fais rien, je reste assis sur ma chaise et je regarde des vidéos quoi. Donc c'est difficile d'avoir le temps pour moi, le temps pour monter, le temps pour tourner, le temps pour écrire surtout ce genre de vidéo, car la plupart du temps j'écris mes vidéos. Donc celle-là elle est pas écrite, hein. C'est clairement de l'impro. Ça fait quoi si je mets le flash de mon téléphone, parce que j'ai cassé mon téléphone, du coup j'ai un Wiko si je le mets là. Ouais, c'est pas mal. Donc tout simplement ça prend du temps, et j'ai pas... Je pense que je vais essayer de downgrade, je sais pas comment expliquer ça, je vais essayer de baisser la qualité de mes vidéos, qui aurait moins de montage ou moins d'écriture, pour essayer de sortir plus de vidéos. Parce que j'ai envie d'avancer sur YouTube, clairement, genre j'ai envie d'avoir une communauté, j'ai pas forcément l'envie d'être connu, clairement pas, j'ai déjà expliqué à des potes, mais ce que j'aimerais c'est vivre de YouTube, mais sans être connu. C'est clairement peu probable, vu que si jamais j'ai 8 millions d'abonnés, je pense que je serais connu, mais bon, je pense pas avoir 8 millions d'abonnés quoi. Mais voilà, j'ai clairement envie d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui aiment mes vidéos, d'avoir des gens qui commentent, d'avoir des gens derrière moi. J'ai clairement envie de partager des vidéos, tout simplement, c'est ce que je veux faire. Et si j'ai une baisse de motif, ça sert à rien de poster des vidéos. Donc voilà, ça fait quand même près 3 semaines, un mois, ça dépend de quand elle va sortir cette vidéo. 3 semaines, un mois que j'ai pas upload. J'ai une vidéo qui est prête, qui devrait arriver. C'est une vidéo où on regarde des vidéos avec Marius, où on joue à Gang Beast et Stick Fight. J'espère que ça vous plaira, ce genre de vidéo. Et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus fun, et dès que j'ai envie de faire une vidéo, je la ferai. Car je vais essayer d'être le plus actif possible. Que si j'ai envie de faire une vidéo là pour rigoler, je suis en train de monter le Dark Matter, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je monte toutes les armes en or de Black Ops 3, c'est juste pour le fun, hein, pour les vacances de Noël. Si j'ai envie de faire une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, je sais que ça marchera pas, mais bon, j'ai envie de faire du contenu quoi. Bon, je tournerai ça au fun, parce que voir un mec qui monte des armes, je pense que ce serait pas super intéressant. Et vraiment, je le répète depuis plus d'un an, si vous êtes arrivé à ce stade de cette vidéo, ça me ferait déjà super plaisir, parce que je vois que mon watch time il est à un peu moins de 50%, du coup, si vous êtes arrivé à ce stade, ça me ferait super super plaisir. Mais vraiment j'insiste, ça me ferait vraiment super plaisir que vous mettiez en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne. En fait, des vidéos gaming, des vidéos IRL, des vidéos vlog, des vidéos humour, enfin n'importe lesquelles. Même si vous kiffez
dégustation, j'en sais rien, mettez-le, je le ferai pas forcément, hein. Juste pour voir ce que vous aimeriez en fait sur cette chaîne, tout simplement. Si vous aimez des vidéos make-up, je sais pas, mettez ce que vous voudriez voir sur cette chaîne et peut-être que je le ferai. Ça m'aiderait et ça me ferait avancer vraiment beaucoup. Je me dirais que bah mes abonnés veulent ça, autant leur donner. Et si ça me fait kiffer, je le ferai. Si ça me fait pas kiffer, je le ferai pas. Car je me force vraiment pas du tout à faire cette vidéo. Je me rappelle qu'après une vidéo Call of Duty que j'avais fait à l'époque, c'était un highlight. Je me rappelle que j'avais fait une pause de 7 mois de YouTube parce que aucune motive et puis j'avais que 400 abonnés. Du coup, j'avais encore moins qu'aujourd'hui et vraiment personne qui regardait mes vidéos. Du coup, je me force pas à faire une vidéo. Si j'ai envie de faire une pause d'un an, je le ferai, même si ça me pénalise parce que ça, j'arrive pas à avancer sur YouTube. J'ai réussi à avancer jusqu'à 800 abonnés tout seul. Non, même pas. J'ai réussi à avancer jusqu'à seulement 400 abonnés tout seul. Après la ulti, j'ai spammé ma pub comme un gros chien. Vraiment, je m'en veux de ouf. Mais bon, ça m'a fait monter à 800 abonnés et Waz m'a fait une pub pour monter à 1300 abonnés. Et sans ça, même encore aujourd'hui, je stagne en fait. Ça veut dire que si j'avais pas eu ces deux grosses pubs, je serais toujours à 400 abonnés. Du coup, ça me fait vraiment super badé tout simplement. J'ai grave le seum. Mais bon, faire des vidéos, c'est ma passion. Si j'arrive pas à être youtubeur, j'aimerais bien être monteur vidéo plus tard. Du coup, je resterai dans la vidéo. Ça changera pas. Donc voilà, c'était une vidéo courte. Je vais essayer de me chauffer pour que cette vidéo sorte demain. L'heure où je vous parle, on est le 23. On est le 23. Et j'aimerais bien la sortir le 24 tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez du temps avec vos proches pour ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année d'ailleurs. Bon Noël, bon nouvel an. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Nazer. Ciao, bye, c'est mère. Wesh. Salut.